qui m'ont soutenu, de m'excuser. On n'a pas réussi, mais je tenais à m'excuser parce que vous avez mis beaucoup d'argent et parce que vous avez mis des choses, vous avez donné tout votre cœur. Malheureusement, dans un tournoi, il n'y a pas de règles. On est sur TikTok. Ça commence à telle heure et ça finit à telle heure et que le meilleur gagne. Voilà. Donc hier, par la colère, sûrement, en tout cas, c'est normal. On est déçus, etc. Mais il faut comprendre les gens. Parce que ça a été très, très émouvant, je le dis. Et c'était un projet qui me tenait vachement à cœur. J'aurais pas dû ouvrir, mais il fallait que j'ouvre pour vous dire vraiment, je suis désolée, en tout cas d'avoir, de verser autant de larmes devant les réseaux sociaux. Vous savez que c'est pas mon habitude. Jamais. J'ai jamais été comme ça. Vous connaissez ma force de rigolade et tout. Mais on est des êtres humains. Donc les gens vont sûrement rire aujourd'hui. Oui. On en rit. On peut en rire et je peux comprendre que les gens en rient. Et c'est tout à votre honneur, en tout cas, d'en rire. Mais un soldat n'est jamais à terre. Et ça, c'est important que vous le sachiez. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. Donc, je voulais vous dire merci pour tous les messages de soutien que je reçois. Merci infiniment. Vous avez été formidables. J'ai vu des hashtags. J'ai vu plein de vidéos qui tournaient. Merci énormément. Merci Coco, gardez vos pièces, s'il vous plaît, c'est de l'argent, je veux plus. N'oubliez pas une chose, et ça c'est important que vous le compreniez. Un soldat n'est jamais à terre. Il tombe mais il se relève toujours avec ses armes. D'accord? Je ne veux pas que vous en vouliez à qui que ce soit dans ce classement, même si pour moi mon cœur est triste et que ma communauté est triste parce qu'on a abattu ma communauté. Et j'ai de la peine pour tous ces gens qui ont participé. Donc, ce que je vous demanderais, moi, c'est de ne pas avoir de haine. Je veux pas des messages haineux, ça ne nous représente pas. Parce que je vois qu'il y a, ça parle beaucoup aujourd'hui. Et je veux vraiment pas que vous soyez comme ça. Essayez de refléter mon image. Bien au contraire, le temps que je reprenne. Et toujours de garder toujours le sourire, même si on se moque de vous, parce que vous n'avez pas été. En fait, c'est pas moi qui ai touché. Deux minutes, je vais couper. 2 minutes, 2 minutes. Juste une chose, je veux pas de message de haine, s'il vous plaît. Il y aura un live qui sera ouvert ce soir par Nono Deza. Je vais couper dans 1 seconde. Il y a Nono Deza qui va ouvrir un live ce soir. D'accord? Juste pour vous dire que c'est pas moi qui l'ai signalé. D'accord? Parce qu'il y a eu des sous-entendus qui ont été faits. C'est pas moi qui ai fait ça. Parce que je veux laver mon image et que je suis pas comme ça. D'accord? Donc Nono ouvrira un live ce soir, elle vous expliquera. Moi, j'ai pas la force. Je vous fais plein de gros bisous. Je vais pas rester. Mon mari crie, il faut que je coupe le live. Prenez soin de vous et restez l'image qu'on est, d'accord? Je reviendrai bientôt, ok? Un cœur pur ne meurt jamais.